Salut tout, on se retrouve sur Kingdom Come Deliverance. Cette fois-ci, j'ai pas eu d'ennui pour un nouvel épisode. Et on est chez le meunier. Et je suis censé apporter la bague. Bonne journée à vous. Merci bien. Le meunier Péchec de Rathay m'a envoyé vous donner cette bague. Une bague? Tenez. Fichu Camelot de merde. Vous devez être Henri, c'est bien ça. Péchec m'a parlé de vous. Mais pourquoi vous l'avez jetée? Vous savez dans quel bourbier je me suis mis pour vous la procurer? Péchec m'a dit qu'elle était importante à vos yeux. Je vous l'ai dit, c'est de la pacotille. Ce n'était qu'un test pour déterminer si vous aviez le cran de travailler pour un meunier. On a coutume de mettre à l'épreuve les oisillons prêts à se lancer dans le commerce en les envoyant à la chasse aux dahus. Nous voulions savoir si vous aviez des principes bidons ou si vous étiez prêt à penser avec votre tête. Félicitations. Vous avez passé le test haut la main, et nous aurons d'autres tâches à vous confier. D'autres Est-ce que tâches? Vous avez besoin d'aide? Vous tombez à pic, il faudra s'occuper d'un petit détail. J'ai des affaires en suspens avec le commandant de la garde de Thalmberg, et j'aimerais obtenir réparation. On vous a sûrement raconté que le seigneur Robard de Thalmberg était à cheval sur la propreté et le rangement. Quel est le rapport? Je suis déjà perdu. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Je vous expose la chose. J'aimerais que vous vous introduisiez dans l'armurerie de Thalmberg pour y voler des uniformes avec un blason. Et lorsque le seigneur Robard découvrira qu'il manque l'attirail de ses gardes... Il demandera des comptes au commandant de la garde, qui est la seule personne en possession des clés et le responsable de leur préservation au lieu sûr. Quand Robard se rendra compte qu'il laisse disparaître des choses sous son nez, il le fera fouetter, et j'en tirerai une grande satisfaction. Prenez-en au moins 5, histoire de marquer le coup. D'accord. C'est comme si c'était fait. Une fois que j'aurai les uniformes, qu'est-ce que j'en fais? Je les brûlerai pour effacer l'épreuve. Assurez-vous de ne pas vous faire prendre. Je voudrais que vous m'appreniez à être plus furtif. Ah, il peut m'apprendre à être furtif. Apprenons. J'aimerais apprendre. D'accord, mais ça va... Maintenant, portez-vous bien. Voilà. Un peu d'amélioration en furtivité. Je pense que le son des voix n'est pas très important. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum. Donc on va corriger ça. Bien, bien, bien. J'aimerais m'acheter de l'équipement maintenant que j'ai vendu tous mes... J'ai vendu tous mes trucs. Cheval. Non, pas du tout. On va tout récupérer. Et on va tout vendre au meunier puisqu'on est là. Pas pourquoi il vit avec plein de femmes et plein de villageois et plein de villageoises. J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens. D'accord. Voyons ce que je peux faire. Très bien. Bonne chance à vous. Alors. Voilà. Épée de chasseur. Oh bah il me paye bien pour tout ça. Je crois qu'il y a des eaux ardentes, ça m'intéresse pas. Hop. J'aurais pu marchander pour avoir tout ce qu'il avait. Les 1000 ducats, mais on va faire 100-900, c'est déjà très très bien. On va repartir vers Rathay. J'ai toujours peur qu'il y ait des bandits en embuscade par ici, donc on va passer par l'eau. Ça limitera les risques. Tant que je suis pas capable d'affronter 4 malheureux bandits,
enfin 4 bandits pas très équipés, mais 4 quand même. Même un, peut-être qu'il aurait pu me battre. Généralement, ils sont jamais mauvais, les bandits en combat. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais ils sont tous avec un certain niveau à l'épée, à la hache ou à la massue en fonction de ce qu'ils ont. Là, il y en avait deux qui avaient des halbardes. Moi, je peux pas porter de halbardes, il faut une sacrée force pour manier les halbardes. Ah, ça sonne. Oui, oui, oula. J'arrive à l'église, puisque vous voulez de moi. Enfin, je vais passer près de l'église, on verra. Tu as une mission à me donner, toi ? Bonjour. Bonjour. Tu n'aurais pas une tâche à me confier à tout hasard ? Il se trouve que oui. Et attention, surprise, c'est encore au sujet d'une bague. Comme la c'est une vraie, fois. Là. Ce coup-ci, ce sera en bonne et due forme. Un vrai dur labeur. À qui d'autre que toi, je pourrais assigner cette mission ? C'est toi le seigneur des anneaux, non ? Enfin, façon de parler. Je t'explique. L'un des plus fortunés citadins a oublié sa bague derrière lui la dernière fois qu'il est allé batifoler au bain. Il devait certainement être trop bourré. Voilà qui veut la récupérer, sauf que sur place, personne ne l'a retrouvée. Pourquoi il ne s'adresse pas au bailli ? Pourquoi ? Parce qu'il veut rester discret sur ses petites visites au pas public. Et les filles qui travaillent là-bas, elles sont plutôt méfiantes. Elles veulent pas la revendre au cas où le bailli finirait quand même par se mettre à la chercher. Alors on va leur rendre la vie plus facile. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah bah volontiers. C'est comme si c'était fait. Si j'en tire moi-même un petit bénéfice, bien entendu. T'inquiète pas. Tu ne seras pas perdant, va. La bague est à l'abri dans un coffre de la chambre de la Maquerelle. Reviens me voir une fois que tu l'auras récupérée. Prenez soin de vous. Alors, les bains, c'est juste à côté. On peut essayer de passer voir s'il y a moyen que... la bague... soit... prenable. Si la bague n'est pas trop dure à voler. Ah, j'ai faim d'ailleurs. Alors voilà les bains. La nourriture. Alors une marmite. Mangeons. C'était la bague des bains. Oh, elle est montée et elle m'a même pas vu. Voilà la bague. Je suis procuré la bague. Merveilleux. Ils vont être fous de rage au bas public quand ils finiront par s'en rendre compte. Prends ta récompense et va pas tout dépenser dans des beuveries. Oh t'inquiète, je vais acheter une épée, un truc comme ça. 100 gros chaînes. Travail en réserve pour moi. Pour toi, j'en ai toujours. L'un de mes amis m'a demandé de l'aider à récupérer une parcelle de terrain qu'il conteste à son voisin. Et depuis quand tu es un représentant de la loi ? C'est un concours de circonstances. Non, je vais prendre un malin plaisir à te dire que nous allons pratiquer un bon vol à l'ancienne. Un acte de vente a été rédigé lorsqu'ils ont passé le marché. Bref, il joue pas forcément en sa faveur, alors dans l'idéal, il faudrait qu'il vienne à se volatiliser. Ok. Allez, où est-ce que je dois aller le soustraire ? Au bailli en personne. Tu devrais voir la tronche que tu tires. J'ai jamais dit que ça allait être du gâteau.
L'acte doit être posé sur une table quelque part dans l'hôtel de ville avec d'autres parchemins. Tu vas devoir t'y infiltrer et le retrouver. Je vais me débrouiller. Je te fais confiance. Et tu peux compter sur ta récompense. Eh bah, d'accord. Ah, je peux m'entraîner. Au crochetage. Il paraît que vous savez ouvrir les... Bien sûr. Apprenti. J'aimerais... D'accord. Hop, hop. Oui, payé. Ouais. Voilà, et le crochetage non, et le vol et la tire. Pourriez-vous m'enseigner ? Bien. J'aimerais... Hop, les bases, blabla. Hop, je paye. Non. Je suis attentif. Yeah. Ah, j'ai des nouvelles missions là-haut. Oh, ça va. J'ai des missions par là. Allons voir qui me propose de telles missions. Pardon, messieurs les gardes. J'espère que c'est au-dessus, que j'aurai pas à crocheter cette poche porte très difficile. Oh, Hans Capon. Bien bah, j'ai guéri plus vite que vous, de quoi moi. Avez-vous besoin? Comment allez-vous, monseigneur? Vous vous sentez mieux? Dans l'ensemble, je vais bien. Je meurs d'ennui ici. Mon seul et unique bouquin est la Bible, et hormis le prêtre, Anouche ne laisse personne d'autre m'approcher. Avez-vous la moindre idée du radotage monocorde de cet homme? Le monde n'est rien d'autre qu'un procès. Repentez-vous. Il me parle comme si j'allais pousser mon dernier soupir. D'ailleurs, il s'adresse à moi comme si j'étais déjà mort. Henri, écoutez-moi. Vous ne voudriez pas m'accompagner jusqu'au bain de Ratet? J'ai besoin de m'aérer l'esprit avant que je ne commence à avoir des escarres. Pourquoi pas? Quand voulez-vous partir? Je vais m'y rendre au plus vite, mais attendez la tombée de la nuit avant de me rejoindre. Je serai en charmante compagnie. D'accord, je me joindrai à vous sur place. Bonne chance alors. Très bien. Ah ! Oh mais non ! Faut pas courir dans les escaliers, sinon on se fait vite mal. Avec le malus. Vincent. J'ai appris que tu étais au haras de Neuhof le jour du massacre. Évite de me le rappeler. C'était atroce. Eh bah. Bonjour. J'ai plein de sous. Mes hommages. Parlons affaire. Que Dieu vous accompagne. Assassin, ça serait mieux que mon épée actuelle. Cure sabot, ce serait très bien. 56, 40, 39, 55. Pour l'instant, c'est cure sabot la meilleure. Si je veux m'acheter une épée. Oh, 44, 44, ça serait encore mieux. 52, 52. On va prendre la 52-52. Ah mais elle coûte cher, non? Non, elle coûte même pas cher. Par rapport à l'épée de marchand, elle coûte rien. Ah, l'épée de marchand, j'ai pas la force. Sinon c'est 49, bah c'est toujours moins.
Je vois pas mieux pour l'instant. 49, 48. Ah, et l'épée des rades, elle est bien, mais force minimum 10. On oublie. Bon, voilà, on va prendre ça. J'ai. Du coup, je vais lui vendre ma maîtresse du mercenaire. Voilà. Marcheur d'eau pour commencer à gagner des ducats. Des Et gros si on chênes, parlait un c'est peu de toujours des gros Paris? chênes. Bien sûr, pourquoi pas? C'est bien parce que c'est vous. Il va dire non, je Bon, pense, mais. encore un peu et le marché est conclu. Allez. Oui, ça pourrait le faire. Parfait, j'ai gagné 20 gros chênes. 20 gros chênes, ouais. C'est toujours ça. Sur une épée qu'en coûtait 400, ça fait. J'ai des pâtisseries tout juste sorties du four. Venez en Ça acheter. fait 5%, c'est toujours ça. Des pâtisseries. Et si je vous achetais juste. Juste, je sais pas quoi. Un truc qui se mange. Portez-vous bien. Ah, de la viande séchée. Elle n'en a pas. Vendez-moi des choux alors. Voilà. Nourriture. Ce qui sont boost. Bon, ces choux. J'ai pas acheté une épée très chère. Du coup, je peux me permettre d'aller voir ce monsieur. Le Seigneur soit loué. Ouais, Pourriez-vous me aidez-moi à montrer comment réparer vivre? mon Bien sûr. équipement. J'aimerais. Apprenti. D'accord. Maintenant, puisse le Seigneur. Merci. Parlons à faire maintenant. Portez-vous bien. Alors ouais. Là ils sont tous super bons hein. Mais qu'est-ce que j'ai de quoi? Qu'est-ce que je peux acheter en fait? Je peux passer. Ouais, les gants ils sont pas. Ils améliorent site pas mal mais. 7, 8. Ah! Oh là, elles sont trop bonnes ces trucs. J'ai intérêt à prendre les briganines légères, non? 16, 17. C'est mieux comme ça. Pour l'instant, c'est les plus intéressantes. Attendez. Ouais, 17, 18, c'est bien ça. Nécessaire d'armure, pas trop. Oh! Ah! Celles-là, elles sont tellement mieux. Et elles couvrent les deux. Ouais. Retirer. Elles pèsent 11. Alors, faudrait que je lui vende mes chaussures si je veux. Non. Juste mes bottes. Voilà, là, je suis plus trop lourd. Quitte à acheter des bottes, autant acheter des super bien, non? Oh, elles sont tellement bien celles-là. Chose de Nuremberg. Oh, celles-là, elles seraient pas tellement mieux. Sinon, je peux acheter des épaulières. Ça, c'est trop cher, hein. Gants. Non, chausses rivetées décorées. C'est toujours trop cher de toute façon. Ça, c'est pas tellement mieux que celui que j'ai déjà. Je pourrais acheter un bouclier. Mais il demande une force minimum importante. Auber décoré de Bavière. Ah, j'ai pas cette pièce d'armure là.
Ça me ferait du coup gagner pas mal. Ah, c'est des gants ça, c'est pas des gants. Ah, armure corps, j'ai rien du tout. Donc on va plutôt acheter un Aubert de Bavière. Très bien. Et du coup, je vends pas mes bottes. Je les garde. Et je serais trop lourd avec ça. Ajoutons au poignet ça. Et mon gilet de cuir, il doit pas me protéger de beaucoup. Ouais, je serais plus protégé avec le Aubert de Bavière que les deux autres pièces. Et je serais pas trop lourd. Ça, c'est très lourd. On va pas prendre un truc très lourd. J'ai pas beaucoup de poids non plus, donc... je pourrais acheter des gantelets super chers aussi. Ou alors juste des riftés, mais bon. C'est trop cher, je pense. Les casques à visière, on a dit qu'on évitait. Sinon, je pourrais acheter un bassinet. Ouais, mais il est pas tellement mieux. Et bouclier, pour l'instant, j'en prends pas. Marchandons. Il y a sûrement pas mal à gagner là. Peut-on s'arranger sur le prix ? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas ? Marché conclu ? Je suis presque prêt à accepter. Presque. Non mais non, t'aurais pu me filer les 60. Oh, il descend pas de grand chose, hein. Allez. Enfin une somme raisonnable. Bon, j'aurais gagné 40. C'est pas grave. On va enfiler ce qu'on a retiré et notre Aubert de Bavière. Me voilà mieux protégé. Armure, tête, corps et main, c'est mieux. Surtout que corps, on se fait souvent taper dessus. C'est peut-être pour ça que j'avais beaucoup de mal à survivre aux paysans. Parce que j'avais pas de Aubert. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au presbytère de Raté pour récupérer mes objets ratés. Mes objets oubliés. Aller voler un truc pour le meunier. Un document dans les appartements du bailli. C'est ouvert, parfait. Monsieur le bailli, vous avez aussi un truc pour moi. Allez, parlons. Que Dieu vous accompagne. Merci, merci. Bailli, vous m'avez l'air débordé. J'ai reçu tant de visites que c'est à se demander comment la porte n'a pas été arrachée de ses gonds. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu l'ordre de trouver un emploi aux villageois de Scalis. Ça reste dans mes cordes, mais j'ai du mal à répartir les tâches de manière équitable. Je comprends. Bon. On a tous des bouches à nourrir. Le pire, c'est que personne ne vous dit qui en a le plus besoin. Mais vous devriez pouvoir m'aider. Comment ? Avec vous, ils seront plus enclins à être francs. Vous pourrez déterminer qui sont les plus nécessiteux et décider de qui fait quoi. Qu'en dites-vous ? D'accord. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous aider ? Vous êtes un type en or. J'imagine que vous connaissez ces gens-là mieux que quiconque. Mais si vous avez besoin d'informations, demandez-leur. De quel type de métier il s'agit ? Eh bien, le vieil Hagen cherche une cuisinière et il nous faudrait aussi cinq porteurs. Une cuisinière et cinq porteurs d'eau, c'est assez quelconque. Et ça pose problème ? En quelque sorte. Il y aura cinq porteurs, mais seulement trois auront à porter de l'eau. Les deux autres, ce sera de la merde. Ou, comme dirait le pape, des excréments. Il y a quelqu'un avec qui je pourrais m'entretenir à ce sujet ? Oui, Conrad Hagen, le marchand. C'est lui qui cherche une cuisinière. Vous pouvez aller le voir. Et puis le jeune Alex saura qui est taillé pour ses travaux parmi les villageois de Scalis.
Ça me suffira. Bon courage. Que Dieu vous accompagne. Il y a un rouleau là, je peux pas le prendre. Je peux juste voler des livres. Je suis curieux de savoir où est-ce que je m'assois là. Ah, là-dessus, d'accord. Je crois qu'il est censé m'apprendre à lire, lui. Non, d'accord. Que Dieu vous accompagne. Tant pis. Presbytère de Raté. Ah, c'est pas là que je suis. Ah, je peux pas passer par là. S'il m'indique déjà la zone où je dois chercher le document, ça m'aidera. Ça doit être au-dessus. Ah! Ça, je peux pas faire. Ben, on repassera hein. Quand je serai capable de crocheter une porte difficile à crocheter. Passons chez le tailleur. Ouais, n'importe. Parlons à faire. Que Dieu vous bénisse. En termes de prix, on va viser bas en fait. Alors, la chemise verte, ça me rapporterait un point de tout. Comme la chemise en lin, d'ailleurs. Ah, et ça ferait beaucoup de bruit. Pourquoi beaucoup de bruit? Mystère. Chemise rouge, sinon. J'aurais moyen d'avoir un pantalon plus solide. Ça, c'est une chemise. Tablier de forgeron, il serait plus costaud. Un pourpoint lourd serait bien. Franchement, ouais. Mais, ah bah il pèse 10. Il n'y a pas moyen que je prenne un truc qui pèse 10. Je peux prendre un pourpoint noir par contre. Ou une... Non, c'est cher la veste rouge. 12, 15, 9. Ah ouais, ce serait bien ça. Mais j'ai pas les sous. Tant pis. Quitter. De toute façon, j'ai que 300. Je peux pas acheter le pourpoint, même le moins cher. Enfin, même le moins cher. Je peux pas acheter un pourpoint qui protège pas mal et qui est pas trop cher. Ah ouais, mais j'ai les objets à récupérer. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Pourquoi j'ai toutes les clés alors?
C'est juste toutes les clés du presbytère. Alors, annoncer la destruction du campement à Bernard. D'accord, allons-y. Je suis toujours curieux. Alors, ça s'est amélioré depuis la dernière fois que je suis passé ou pas? Je voudrais prendre part. Vous allez devoir attendre. Bah oui, bah, il veut bien en annoncer un nouveau et puis voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il annonce un nouveau tournoi? Peut-être qu'il faut que j'avance dans les missions principal. Alors, vous, Henri, ravi de te voir ici. Ravi de me voir, c'est sympa. Le Seigneur soit loué. Alors, j'ai quelques trophées. Voyons voir ça. Ces enflures ont eu ce qu'ils méritaient. 140 gros chênes. Tu en as la preuve? Voilà. Joli travail. Et 90. J'ai reçu un nouveau rapport. Des villageois sont tombés dans une embuscade à l'ouest de Ratay, sur la colline de l'autre côté de la rivière, en face des potences. Le mieux serait d'aller voir sur place. Entendu. On va s'entraîner au combat au prochain épisode. Probablement avec une vraie arme. Je vais essayer de voir comment je me débrouille contre lui. Je vous retrouve bientôt.